La team ici Melki, j'espère que vous allez bien. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, grand match. Nous allons nous attarder au match qui a tout changé dans le Blue Lock. En effet, ça va être le match des Japon U20 contre le Blue Lock 11. Ce match-là, il est fantastique et il sera dans les moindres détails expliqués dans cette vidéo-là. Donc, on ne perd pas plus de temps, mais avant de rentrer dans la vidéo, il est important que vous likez, commentez et partagez. En effet, cette vidéo m'a pris énormément de temps à produire. Donc, si vous regardez la vidéo jusqu'à la fin, ça sera la meilleure récompense que vous pouvez m'offrir. Donc, sur ce, vous êtes prêts. C'est parti. Donc, en ce moment, on se retrouve avec les personnages qui sont en train d'attendre pour savoir qui sera sélectionné dans le Blue Lock 11. Ego est en train de faire sa liste et il va bientôt les convoquer. Donc, il est en train de spécifier par là sa secrétaire pour savoir qui sera dans cette liste-là. Donc, les joueurs maintenant sont de retour dans le hall et il est temps de savoir et de dire qui sera titularisé. Vous connaissez Ego en fait. Sa mentalité, c'est qu'il veut une équipe qui tourne autour d'un attaquant. Et cet attaquant, ça sera Itoshi Rin qui a été choisi par Ego et l'équipe tournera autour de lui. En tant que gardien, ça sera Gagamaru qui sera choisi. Pour les deux centraux, ça sera Nico Iki et Aryu Jube à cause de la caractéristique défensive. Pour les deux latéraux, ça sera Yoma Shigri pour sa pointe de vitesse et Bashira Meguro pour ses dribbles excentriques. Pour le milieu défensif, ça sera Karuzu Topito, un gars qui est très intelligent et qui est capable de conserver des bons ballons. Pour les deux ailiers, ça sera Otoya Eita et Yukumiya Kenyu à cause de leur capacité d'éliminer les adversaires. Et maintenant, pour le milieu offensif, ça sera Naki Seishiro avec son contrôle et sa flexibilité. Il est capable de marquer des buts. Et maintenant, le joueur qui est le plus complémentaire à Rin, il manque un seul poste, l'autre poste de milieu offensif. Ce poste sera réservé à Izagi Yu. Donc voici le 11 partant du bloc 11. Izagi est très content car il a réussi à être titularisé dans cette équipe là. Baru Aroganus est frustré parce qu'il n'a pas été reçu en tant que titulaire. Donc là maintenant on se pose des questions. Où est Shido Ryusei qui était le numéro 2 du bloc à ce moment là? Et en effet la réponse est que Shido Ryusei a été sélectionné par une autre personne. Et cette autre personne là c'est Itoshi Sae. Ce malade mental il est emprisonné parce qu'il est trop agressif, rencontre avec Itoshi Sae qui le veut, qui a besoin de son ego pour pouvoir détruire le Blue Lock 11. Donc maintenant, le gars, il ne sait pas quoi faire et il accepte, bien sûr qu'il accepte son ordre. Maintenant, Itoshi Rin est fâché parce que lui, il voulait que son frère le prenne, mais non, son frère n'en a toujours pas reconnu. Donc préparez-vous, Blue Lock 11 versus Japon U20. C'est pour bientôt. Donc Ego va les bourrer de tactiques et de formations afin qu'ils puissent être prêts pour pouvoir battre l'équipe du Japon, bien sûr. De retour maintenant dans l'équipe du Japon U20, qui va présenter un joueur qui va révolutionner le football japonais. Et ce joueur, c'est Itoshi Sae. En effet, on le présente au Japon U20 et maintenant, il commence à discuter avec eux de ses ambitions. Et il commence à critiquer l'équipe. Vous savez, il est très arrogant et très froid comme personnage. Maintenant, Shido Ryusei, un coup qui donne à un joueur. Là, il veut encore redonner un autre coup. Et là, quelqu'un le bloque facilement. Mais qui est ce personnage mystérieux? Il le met par terre au sol à une vitesse et avec une facilité remarquable. Et maintenant, nous apprenons que ce gars, c'est les défenseurs du Japon U20. Et on nous les présente. On a Niu Kazuma, le central. On a Daryu Miroku, le latéral. On a Neru Tepe, l'autre latéral. Et maintenant, on a le capitaine Olivier IQ, le gars qui a des yeux assez chelous. De retour dans le Blue Lock 11, maintenant les gars sont en train de s'entraîner, sont en train de se défoncer à la salle pour pouvoir se préparer à ce grand match. Le monde les attend. Donc, petite discussion entre Itoshi Sae et Olivier IQ. Il a envie de jouer avec ses titulaires et ne pas inclure Shido Ryusei parce qu'il trouve qu'ils ont encore des choses à prouver eux-mêmes. Donc, messieurs s'en fout, il lui dit comme tu veux, on verra si votre tactique pourra fonctionner. Le match maintenant commence dans 15 minutes. Est-ce que vous êtes prêts les BG? Les gars sont en train de discuter entre eux et maintenant Ego à la dernière minute annonce ça sera qui les gars qui seront sur le banc. Et comme par hasard, Hiragashi, ce troll, il est dedans. Donc maintenant que l'équipe est prête, les titulaires sont prêts et maintenant les benchers sont prêts, il est temps d'aller écraser et de montrer la suprématie du bloc au monde. Maintenant, on voit dans le hall, les Japon U20 les attendent. Itoshi Sae versus Itoshi Rin.
les deux frères de génie, qui va l'emporter? Oliver IQ glisse un petit mot à Izagi Yoichi et on va voir comment ce match va se dérouler. La foule est en délire. Maintenant, ça va être le temps de la formation. Donc la formation, on va s'attarder un peu plus à ça parce que c'est intéressant. Équipe nationale de U20, ils vont jouer en 4-3-3 avec Oliver IQ et Niyu qui sont les centraux. Darié qui est latéral gauche, Neru qui est latéral droit, Su et Wakatsu qui... Les deux sont MDC, Itoshi Sae est numéro 10, Shu et Kori, les deux sont les ailiers et Sendou en pointe. Pour le bloc 11, la formation ça sera un 4-5-1 avec Nico et Aryu en centrale, Gagamaru en tant que gardien, Shigiri qui est latéral droit, Bashira qui est latéral gauche, Karazu qui est MDC, Nagi et Izagi qui sont milieu offensif, Yukumiya et Otoya qui sont des ailiers et bien sûr la tête du Blue Lock, Itoshi Rin qui est en pointe. Donc c'est 0-0, le match commence bientôt, la tension est au maximal. Équipe nationale U20 contre le 11 de Blue Lock, les gars, est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Donc le plan de jeu est assez simple, c'est-à-dire qu'il faut un triangle, ce qui va permettre aux joueurs d'arriver à bien se trouver et à combiner. Et le plan de jeu en 4-5-1, c'est assez simple. Les 4 latéraux vont rester derrière et maintenant les 5 personnes qui gravitent autour du milieu vont rester dans la zone du milieu pour arriver à bien condenser ce milieu-là et Itoshi Rin sera en pointe tout seul. Bien sûr que les postes sont interchangeables, il faut juste que quand un personnage monte, l'autre puisse descendre. Donc comme on a pu bien le voir, ça c'est vraiment la spécificité de cette formation-là. On commence avec le dribbleur fou Bashira qui est contre le milieu défensif Haru. Bashira maintenant, le dribble, petit feinte, fou, il est passé. Quelle technique. Maintenant, il arrive à trouver son partenaire. Petite passe à son partenaire. Interception de Olivier IQ qui saute haut avec sa défense du serpent pour venir anticiper, intercepter ce ballon. Il fait un dégagement de la tête. Maintenant, le capitaine Olivier IQ n'est pas là pour blaguer. Le bloc, ça sera pas facile d'arriver à marquer un but contre ce monstre défensif. Donc maintenant, la balle retourne dans les pieds de Otoya Eita. Toya Eita va affronter Darei Miroki en 1 contre 1. Qu'est-ce qui va se passer? Donc Oita essaie de faire ses petits dribbles, tout ça. Mais non, ça ne passe pas. Il est emprisonné. Donc il est obligé de faire la passe. Il fait la passe à Itoshi Rin. Et Itoshi Rin balance le jeu de l'autre côté à Yukumiya, le roi des 1 contre 1. Contre Neru TP qui va remporter ce duel. Donc la bomba! Il est parti, il a accéléré, mais il se rend compte que le défenseur est rapide aussi et il est déjà revenu sur ses appuis. Et il récupère la balle à Yukumiya, le roi des 1 contre 1, s'est fait arrêter par un seul joueur. La balle maintenant va de retour à Nagi. Donc Nagi maintenant ne peut même pas se retourner après avoir fait un contrôle idéal car Niyu Kazuma le retient avec son corps et sa pression constante. Il bloque tous ses accès au but. Pendant que Nagi réfléchit, Oliver IQ vient et il récupère le ballon. Donc la défense des U20, c'est quelque chose de solide les gars. Comment le bloc va réussir à pouvoir dépasser cette défense qui a l'air impénétrable? Maintenant, le ballon est dégagé et va au génie du bloc, Itoshi Sae. Que vas-tu faire avec ce ballon? Itoshi Sae continue à avancer. Il est en face contre Shigiri. Et la formation, comme on l'a dit, quand un autre monte, un autre descend. Donc Itoshi fait une passe qui a surpris Shigiri. Cette passe parfaite va dans les pieds de Sendou Shuta. Sendou Shuta est en face du but. Après un bon contrôle, il tire. Quel tir! Et là maintenant, Gagamaru fait un arrêt. Quel arrêt spectaculaire, élastique de Gagamaru. La balle va de l'autre côté. Et là maintenant, le premier qui est sur ce ballon, c'est Itoshi Sae. Itoshi Sae est en position de tir. Que va-t-il faire avec son pied gauche? Boulette du pied gauche vers Gagamaru. Qu'est-ce qui va se passer? Goal! 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 1-0, but du génie du Japon, Itoshi Sae. Tous les projecteurs sont braqués sur lui. Le Japon est en train de connaître un renouveau spectaculaire. Les gars, ils se rendent compte qu'ils ne sont que des pantins comparés à ce mec qui est vraiment hyper talentueux. Ses coéquipiers viennent vers lui pour pouvoir le faire des câlins. Mais il est fâché parce qu'il est dit que vous êtes nuls les mecs. Il les reprend de manière ferme. Et les gars, ça les motive encore plus à tout donner. Donc là maintenant, Ego est en train de se positionner et en train de se questionner sur le match. Le match peut reprendre. Izagi essaie de combiner avec Rin. Rin maintenant est en face de Wakatsuki Itsuki, qui est le milieu défensif du Japon U20. Il essaie de faire une petite combinaison. Et la combinaison est en train de bien passer entre Rin et Izagi. Parfait. Donc Izagi est en train de se mettre dans l'ombre de Rin pour pouvoir bien combiner avec lui comme prévu dans les plans de jeu. Et maintenant, on passe la balle, une talonnade à Bashira Meguru, le dribbleur fou. Bashira maintenant, qu'est-ce qu'il va faire avec ce ballon? Il est en train de regarder ses options. Et là, il est en train de partir. On se demande à qui il va faire la passe. À Rin
ou à Izagi Yoichi. Il fait une excellente passe et là, la passe va aller à Itoshi Rin qui s'est démarqué. Itoshi Rin est en face du but. Que va-t-il faire? Itoshi Rin est en face du but. Va-t-il tirer? Non, il dribble encore pour aller vers la gauche. Mais que fais-tu? Il tire avec son pied dans le même angle que son grand frère. Il veut prouver qu'il est aussi fort que son grand frère. Et non, lui, il va pas marquer. Ça va toucher le poteau. Ça touche le poteau et ça vient maintenant dans les pieds de Yukumi Akenyu, le roi des 1 contre 1, qui affronte encore son défenseur Neru TP. Là, c'était difficile. Deuxième duel qui va le remporter. Les gars essayent. Izagi maintenant se met derrière lui. Donc maintenant le défenseur est confus, il ne sait plus qu'est-ce qu'il va faire. Là ça donne un espace de tir parce que le défenseur a hésité entre la passe et le tir et Yukumiya envoie une boulette au gardien. La boulette a été arrêtée de justesse par Olivier IQ. Quel défenseur extraordinaire. Maintenant la balle revient vers Otoya qui est en face de son défenseur. Il réussit à faire une passe et la passe est interceptée par Niu Kazuma. La balle maintenant est encore un rebond et le rebond il va dans les pieds de qui? Dans les pieds de Nagi Seishiro. Nagi Seishiro, quel contrôle extraordinaire. Contrôle pour se débarrasser de son défenseur. Et maintenant, il ramène la balle sur son pied droit. Nagi Seishiro. Boulette! Et but! 1-1. Égalisation de Nagi Seishiro, le génie du Blue Lock. Il lève sa main. Les gars, vous n'êtes pas prêts. Ce match-là, ça ne fait que commencer. Donc là, maintenant, ils sont en train de célébrer avec Nagi. Bravo, Nagi, pour ce but extraordinaire. Tu fais revenir le Blue Lock si vite. Donc maintenant, il est temps de réfléchir à une stratégie pour arriver à gagner ce match-là. Donc, Rin et Izagi se rendent compte que c'est les deux pièces maîtresses de l'équipe et que le foot de leur équipe tourne autour des deux. Le match reprend. Itoshi, Rin versus Itoshi Sae. Itoshi Sae à la balle. Les deux sont en match top direct. Un petit dribble de Itoshi Sae. Sae encore à la balle. Sae encore à essayer de dribbler son petit frère. Sae encore, mais Rin ne se laisse pas faire. Sae versus Rin. Le duel s'annonce serré, bien sûr. 1-1. Les deux frères sont en train de s'affronter. Sae, ah, vraiment, il est tellement fort avec le ballon. Quel dribbleur. Il réussit toujours à manier le ballon. Le ballon encore entre ses mains. Il réussit à se défaire de son défenseur. Et petit pont, il est passé. Quelle action extraordinaire du génie du Japon, Sae Itoshi, qui a réussi à dribbler son frère comme du n'importe quoi. Là maintenant, Nico est en train d'analyser le terrain. Que va-t-il faire maintenant? L'analyse de terrain avec sa vision de jeu est exceptionnelle. La passe a été faite pour Sendo, il a réussi à l'anticiper. Et Sendo versus Nico qui va gagner le duel. Nico fonce vers lui et réussit à dégager. Quelle vision exceptionnelle, anticipation, interception, c'est propre. La balle va maintenant dans les pieds de l'intellectuel Karasu. Karasu maintenant essaie de foncer. Il est en face du milieu défensif. Qu'est-ce qu'il va faire? Une très belle passe à Otoya Eita. Otoya maintenant joue avec Karasu. Les deux sont en 1-2. Et maintenant ils affrontent IQ qui est devant eux pour les barrer le chemin. Que va-t-il faire? Il fait une passe à la vitesse à l'homme le plus rapide du bloc, Yoma Shigiri. Et là maintenant Yoma Shigiri va accélérer le ballon. Yoma Shigiri versus Olivier IQ, qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr que Shigiri va le prendre de vitesse, il est extrêmement rapide, il appuie une ligne droite, c'est parfait pour lui, c'est tout ce qu'il a besoin, il te mange sur son aile. Il fonce maintenant avec une vitesse de pointe exceptionnelle. Là, il est prêt, maintenant il a débordé dans la défense, il est prêt à faire du leça. Que va-t-il faire? Va-t-il shooter? Va-t-il centrer? On ne sait pas qu'est-ce qu'il a en tête Shigiri. Et il décide de faire un centre en retrait. Le centre en retrait était pour Karasu et maintenant interception de Itoshi Sae qui revient intercepter le ballon et qui détruit, qui anéantit l'action du Blue Lock 11. Mais le ballon va dans les pieds de Itoshi Rin. Itoshi Rin versus Olivier IQ. Olivier IQ les a sous-estimés et se demande de quoi ils sont capables réellement, ces attaquants-là. Donc là maintenant, Itoshi est énervé contre lui là. Mais il y a aussi Izagi, ne l'oublions pas, qui fait une très belle course dans le dos. Ce qui libère un petit espace et permet de feinter Olivier IQ. Donc Olivier IQ versus Itoshi Rin. Qu'a-t-il? Il a annihilé son option de la droite. Maintenant, que va-t-il faire? Il fait une extérieure du pied droit. La balle va vers le but. Et but! 1-2. Le Blue Lock a pris le dessus et ils sont en train de battre le Japon U20. 2-1 pour le Blue Lock. Quelle merveilleuse extérieure de Itoshi Rin. Ses coéquipiers, surtout Izagi Yoichi, vient le féliciter de cette très belle action individuelle. Donc là maintenant, on se demande qu'est-ce qui va se passer là. Le Japon U20 n'arrive pas à tenir. Hein?
le Blue Lock en train de les surclasser. Donc là maintenant, on est en train de critiquer Sendou Chuto qui est normalement le pointe et qui fait absolument rien. Il est une action gâchée. Itoshi ça et ne sait pas quoi faire de ce rattaquant. Donc là maintenant, les attaquants sont remotivés. L'équipe est remotivée. Ils vont tout donner maintenant le Japon U20. Les gars sont déterminés. Là, le match peut reprendre. Une petite passe, une petite combinaison. Oh oh, une petite passe, une petite combinaison. La balle arrive déjà vers Gagamaru. Donc un petit tir contre Gagamaru. Et Gagamaru fait un arrêt excellent. En effet, mettons que Gagamaru a fait un arrêt excellent. La balle revient encore à Itoshi Sae. Itoshi Sae, il y a deux joueurs qui sont contre lui. Izagi Yoshi et Bashira. Il va les dribbler et s'en sortir avec une facilité déconcertante. Et il fait une excellente passe pour Sentou Shuto. Mais il y a quelqu'un qui arrive et c'est Itoshi Rin qui réussit à intercepter ce ballon-là. Le ballon est encore dans les airs et la boulette de Itoshi Sae, Airu Jubei réussit à l'arrêter. Wow, ça commence à chauffer sous le Blue Lock là en ce moment. Donc c'est 2-1 toujours et quel arrêt de Airu Jubei avec ses longues jambes. 2-1, la mi-temps approche et quel excellent match du Block 11. Ils ont survécu à tous les assauts de Itoshi Sae, qui était la menace principale de cette mi-temps-là. Qu'est-ce qui va nous réserver la deuxième demi? Les dirigeants du Japon sont extrêmement en colère contre le coach parce qu'ils doivent absolument gagner pour leur image. Et les gars, ils les vénèrent là. Ils veulent même lui casser sa tête s'il continue à avoir des résultats pareils. Donc, il va falloir faire un changement crucial, déterminant, qui va faire la différence bientôt. Dans le vestiaire maintenant du Japon U20, Itoshi Sae veut se casser. Parce que là, en ce moment, il se rend compte que le niveau est pathétique et qu'il n'y a aucun gars qui est capable de concurrencer et il est capable de réaliser ou même d'attraper ses différents caviars. Donc là, il a fou IQ qui sont faibles et qu'il est temps de passer aux choses sérieuses et de faire entrer le petit démon. Le numéro 13, Shido Ryusei. Là maintenant, cela a remonté l'ego de Sae et il est prêt à en découdre durant la deuxième mi-temps. Donc, petit discours de ego dans les vestiaires, blablabla. Il ne parle pas plus, il faut les écraser, il faut tout donner pour arriver à gagner ce match-là. Donc, Izagi doit faire ses preuves dans ce match et il doit tout donner parce qu'il n'a encore rien fait de décisif. Et maintenant, Itoshi Rin veut absolument détruire son Rin. De retour sur le match, on voit une nouvelle figure et cette figure, c'est Shido Ryusei qui est tout souriant. Il vient s'adresser la parole à Itoshi Rin parce que vous savez que les deux sont un petit bif parce qu'il y a un qui est le numéro 1 et un qui est le numéro 2 et il n'y a pas grand chose qui les sépare en effet. Donc ça va être ce match qui va déterminer qui est le meilleur des deux attaquants. Les deux ont hâte de savoir qui va l'emporter. Petit changement tactique s'impose, passant d'un 4-3-3 défensif à un 4-3-3 offensif. C'est-à-dire maintenant Shido sera la pointe de l'attaque et Sendou va redescendre en milieu offensif accompagné d'Itoshi Sae et un des deux 6 va sortir. Le reste de la formation reste inchangé et le match va reprendre. Donc, reprise du match, on voit maintenant Nico. Nico qui essaie d'anticiper et qui essaie de savoir qu'est-ce que les adversaires sont en train de préparer. Shido a des mouvements très imprévisibles, il bouge de manière très imprévisible sur le terrain et là, il est reparti en 1 versus 21. C'est la manière que Shido a décidé de jouer. Et maintenant, il reçoit une passe très précise de la part de Itoshi Sae. Mais Shigeru Yoma, avec sa vitesse, a pu le rattraper. Shido, qui s'est fait rattraper, fait une passe à Sentou Shuto. Sentou Shuto le retouche, un beau 1-2. Et là, ils ne savent plus quoi faire. Ils sont complètement déstabilisés, le Block 11. La balle maintenant va dans les pieds de Itoshi Sae. Une très belle passe destinée à lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Passer, shooter. Il se prépare maintenant à shooter et là il fait une excellente extérieure de son pied gauche. Je crois qu'il est gaucher le mec. Et là la balle va précisément à Shido Ryusei qui va la prendre en reprise de volée. Mais Yoma Shigeru arrive et là faute. Nico prend un carton jaune. Donc Izagi est choqué de la vision de Nico qui a réussi à voir très loin et qui a réussi à bien anticiper l'action parce que ça sentait le but, cette action-là. Maintenant, on se rend compte que Nico est rendu avec la mentalité car c'est tellement amusant d'écraser les attaquants. Une très belle mentalité défensive qui nous fait croire que ce personnage-là, plus tard, il sera amené à rester en défense. Donc, coup de pied arrêté, Shido et Itoshi se placent. C'est bien sûr Itoshi Sae qui va la prendre. Il se prépare, va-t-il tirer, va-t-il faire une passe. Avant qu'il prenne son action, Shido fonce vers la défense comme un animal. Il court. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Vont-ils faire un play? Mais bien sûr, Yoma Shigeru, toujours dans les jambes de Shido Ryusei, va essayer de le stopper. Une très belle passe de Itoshi Sae. Itoshi Sae fait une très belle
passe. Et la passe, maintenant, c'est une passe ou un tir, on ne sait pas. On ne comprend pas. La passe est dirigée vers Shido Ryusei, mais Shigiri est toujours là dans ses jambes. Et maintenant, une passe précise. Shigiri n'arrive pas à la toucher parce que la passe était donnée d'un timing, dans un angle extrêmement précis par le génie du Japon. Et maintenant, Shido Ryusei, là, va la prendre en reprise de volée. Boulette! Et but! Et but! Et but! 2-2. Shido Ryusei, à peine rentré, vient d'égaliser déjà. Waouh, quel monstre! Quelle influence dans le jeu! Lui est le démon et le génie, l'alliance ultime, en train de craser et en train de prendre l'avantage sur le Blue Lock 2-2. Izagi maintenant n'arrive pas à y croire. Il se dit que Itoshi est vraiment un talent au-dessus, qu'il n'a jamais vu un talent aussi fort que lui. La passe a été donnée d'un timing qui a fait en sorte que Shigiri n'avait aucune chance de prendre la balle exceptionnelle. Il avait tout calculé, il avait tout anticipé. C'est peut-être un indice sur la métavision, les gars. Donc là, Yoma Shigiri est fatigué. Il a fait beaucoup de courses défensives, offensives et son genou commence à avoir mal. Nico aussi est épuisé. Donc là, il est temps de faire un changement. Il y a deux joueurs qui vont rentrer. Qui seront les deux joueurs sélectionnés par Ego Chimpachi pour rentrer dans le match, pour essayer d'équilibrer un peu le match qui était complètement déséquilibré par Shido Ryusei. Donc, les deux personnes qui en sont choisies, préparez-vous les gars, c'est Mikage Ryo et Yori Yo. Le 14 et le 16 vont faire leur entrée. En effet, il y a un gars qui n'est pas content et cet homme, c'est Yoma Shigiri. Ne pleure pas frérot, ne pleure pas. Quand tu es sur le terrain, il fallait mieux jouer pour ne pas te faire sortir. Donc maintenant, la nouvelle formation, Ryo va jouer en tant que central et maintenant Yo va jouer en tant que ailier droit. Les retrouvailles maintenant des deux amis qui sont enfin réunis sur le terrain pour enfin commencer à réaliser leurs rêves. Rhea Mikage et Nagi Seishiro. Donc le match, il peut reprendre. Et là maintenant, c'est Izagi Yoshi qui a le ballon. Il fait une passe à Yo et Yo, une très belle extérieure à Karasu. Karasu maintenant fait une autre passe et c'est un très bel 1-2. Yo a encore le ballon et là maintenant, il va s'apprêter à faire quelque chose. Que va-t-il faire? Une très belle passe digne de Itoshi Sae, destinée à qui? À Nagi Seishiro qui fait un excellent contrôle. Mais il se fait barrer par Kasuma qui est prêt à en découdre avec lui. Donc, il fait une petite talonnade à Itoshi Rin et lui aussi fait une autre talonnade à Izagi Yoshi. Izagi Yoshi maintenant est prêt pour envoyer sa volée et non, il se fait bloquer par IQ. IQ maintenant a compris son jeu de passe-passe et va être dans ses pattes maintenant jusqu'à la fin. Mais le ballon va vers Itoshi Sae. Quelle dangerosité! Ils doivent revenir car la spécialité du Japon, c'est la contre-attaque. Donc là, Mikage Ryo et Aryujube sont en défense. Maintenant, Ryo est en train d'observer, observer. Et là, on fait une excellente passe à Shido. Shido se fait intercepter par Ryo qui fait la même technique que Olivier IQ. Quelle détente! La défense du caméléon a très bien marché. Mais le bas va en touche et c'est Shido Ryusei qui l'a. Shido Ryusei fait des déplacements, analyse le terrain comme il peut. Il est en train de bouger partout, partout, partout. Et là, maintenant, il se rend compte encore face à Rhea Mikage. Donc Rhea Mikage utilise la même technique que Kasuma pour arriver à bloquer Shido Ryusei. En plus, il est en train de le narguer. Donc Shido Ryusei se retourne et essaie de faire une situation, un tir presque impossible. Il tire, mais quel vieux tir! Ce tir se fait arrêter facilement par Gagamaru. La frustration commence à monter chez Monsieur Ryusei. Dégagement de Gagamaru. La balle va à Itoshi Sae. Il faudrait que le ballon soit attiré par lui. Et il fait une nouvelle passe encore à Shido Ryusei. Là maintenant, Gagamaru sort pour faire une tête. Et la tête maintenant, la balle est assez floue en fait. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe un peu ici. Shido Ryusei fait un excellent saut complètement avec les réflexes. Et là, le ballon est dans les airs. Il fait une excellente peufra. Que se passe-t-il? Le ballon fonce vers les filets et il n'y a personne dans les buts. Et but, et but, et but! Il vient de faire remonter le Japon. Shido Ryusei vient de marquer un doublé en peu de temps et permet au Japon de prendre l'avantage sur le match contre les Block 11. Le gars, il célèbre comme un fou et il s'en va vers Itoshi Sae. Itoshi Sae le met directement à terre. Izagi Yoshi est surpris, surpris de leur talent. En ce moment, ils sont surclassés par ce duo qui est en train de faire du Lesa en peu de temps. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Le bloc est complètement terminé. Est-ce que leur aventure s'arrêtera là? Non.
il y a une personne qui refuse de se résigner à perdre. Et ce personnage, c'est Itoshi, Rin. Ils savent plus quoi faire maintenant. Qu'est-ce qu'ils font? Là maintenant, Izagi s'en va voir Ego pour lui demander qu'est-ce qu'il faut faire. Nous ne savons plus quoi faire. L'équipe est déstabilisée. Ego n'a plus de réponse pour eux. Il les donne un plan. Et il dit que ça fait partie de son plan et que chacun d'entre eux aura une bonne carrière internationale. Mais non, c'est pas ce que Izagi veut. Izagi veut maintenant, aujourd'hui, tout de suite gagner ce match. Et il est prêt à tout faire pour pouvoir y arriver. Eux tous, ils sont déterminés pour pouvoir gagner ce match. Car c'est ça leur ego. Toujours gagner et jamais perdre. Les gars sont déterminés. En effet, il existe une solution. La carte Joker. L'homme qui va tout changer dans ce match. Il va rentrer tout de suite sous vos yeux ébahis. Et c'est Baru Shohei. Baru Aroganus va rentrer pour faire du Lesa. Le gars, il est prêt et enfin, il commence à rentrer. Otoya est out, Baru in. Baru va occuper le poste de ailier droit et Yo va reculer au poste de latéral droit. Donc, maintenant que Baru est sur le terrain, le Joker est là, le Blue Lock peut repartir de nouveau. Itoshi Rin est là, qui va pouvoir le débloquer. Restart. Le match peut recommencer 3-2. On espère que le bloc va pouvoir s'en sortir. Donc, Izagi essaie de maîtriser les différents éléments de son puzzle pour arriver à marquer un but. Que va-t-il faire? Maintenant, Baru versus le milieu défensif. Haru. Baru n'a même pas le ballon en fait. C'est Rin qui a le ballon et il fait une excellente passe à Yo. Yo a le ballon. Et Yo est en train de faire une excellente passe. Les deux arrivent en même temps sur lui. Le 6, il ne sait pas quoi faire. Il essaie de passer la balle. Il essaie de trouver Izagi. Mais non, la balle n'était pas Izagi. Izagi se fait voler la balle par Baru Shohei. Baru Shohei essaie de prendre la balle. Et il essaie de faire une démonstration. Il fait une excellente action individuelle. Très, 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 très individualiste. Et il fonce vers le but parce que ce gars, il est extrêmement imprévisible. Baru en train de foncer vers le but. Et il est en face du latéral Miroku. Baru versus Miroku qui va l'emporter. Donc Miroku est déstabilisé parce que Baru fait des choix qu'il trouve incohérents. Et Baru, au lieu de faire la passe à Izagi, non, il va vers l'autre côté. Il déborde vers l'aile. Et de l'aile maintenant, il fait une excellente boulette. Une frappe qui touche le poteau et le ballon va à Yukumiya. Que vas-tu nous montrer, le roi des 1 contre 1? Yukumiya a la balle contre le défenseur Neru TP, le gars qui n'arrivait pas à dribbler tout à l'heure. Mais là, l'air du jeu a changé. Blue Lock est déchaîné. Yukumiya rentre dans le flow state. Maintenant, il prend la balle. Un petit dribble. Un autre. Là, maintenant, on n'arrive plus à comprendre. Le gars, il s'inspire de la rue. Il joue au football de street, le street football. Et en 2-3 mouvements, il réussit à dribbler son défenseur. Donc, enfin, le roi des 1 contre 1 réussit à dribbler. Et là, il voit le cadre. Il voit le tir, il est prêt à tirer. Il donne une excellente frappe et sa frappe est cadrée, mais interceptée par Oliver IQ. Lui aussi, on est en train de voir que le gars, il est en train de rentrer dans le flow state là en ce moment. Donc, ennemi comme ami, tout le monde est déchaîné sur ce terrain. Donc, la balle est partie. Oliver IQ encore se relance. Quel défenseur exceptionnel. La balle maintenant va dans les pieds de Itoshi Rin. Que va-t-il faire? Le gars, il y a une infinité de possibilités qui sont offertes à lui. Il réussit à dribbler le milieu offensif assez rapidement. Et maintenant, match-up. Itoshi Rin versus Oliver IQ. Qui va l'emporter? Il réussit à passer Rin. Vraiment, il est chaud. Mais IQ met son pied et réussit à l'intercepter. Il est extrêmement fort parce qu'il arrive à voir un peu le pourcentage avec ses yeux des possibilités que le joueur peut faire avec le ballon. Donc, le ballon a été dégagé par Oliver IQ et arrive dans les pieds de Itoshi Sae. Les gars, maintenant, ils courent, contre-attaque du Japon. Karasu versus Mongasur, Itoshi Sae, Yo et Bashira sont en défense et les match-ups commencent à se faire petit à petit. Shido arrive pour essayer de détruire Ryo Mikage, mais Ryo ne se laisse pas faire. Malgré les appels incessants et les courses incessantes de Shido Ryusei, Ryo est toujours à côté de lui. On envoie une excellente passe de la part d'Itoshi Sae vers Shido Ryusei et les deux gars sont là, la balle arrive. Kagamaru, Shido, Rea. Il va aller vers où? En haut, en bas, Kagamaru essaie d'anticiper un peu qu'est-ce qu'il va faire. Malgré la pression de Rea Mikage, il a toujours des solutions. Shido Ryusei, quel coffre exceptionnel de cet attaquant. Il réussit quand même à tirer. Oh là 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 là. Il a pris la mauvaise décision, notre Kagamaru international. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que Shido Ryusei va marquer un triplé? Et non! Quel arrêt spectaculaire avec le pied! Kagamaru maintient le bloc
dans le jeu avec un arrêt sensationnel. Waouh! Et il se heurte au poteau, mais la balle n'est pas rentrée dans le but. C'est ça qui est le plus important. La balle est encore en jeu. Dégagez le ballon, dégagez le ballon. Et là maintenant la balle va vers Rhea Mikage qui va faire un excellent contrôle à la Nagi et qui va recopier Nagi et dégager le ballon vers l'attaque. Donc la balle maintenant va dans les pieds de Nagi Seishiro. Quelle passe, quel enseignement, quelle action. Le football en ce moment est en train de nous servir le Saint Graal ultime. Le bloc maintenant va faire son contre-attaque à travers Nagi Seishiro. Nagi va faire une passe à Izagi et Izagi a le ballon en ce moment. Izagi maintenant, il y a bien sûr il y a Baro qui est derrière lui qui est prêt à tout moment à lui dérober le ballon et Dara Miroku est prêt. Il est prêt lui parce que là il va pas se faire avoir deux fois comme un idiot comme la première fois. Donc là maintenant, qu'est-ce que Izagi va faire? Izagi utilise la stratégie du fait que Baro est derrière lui et réussit à se débarrasser du défenseur latéral. Maintenant, ils sont en contre-attaque et bloc approche vers les buts. Izagi est en train de se positionner. Il y a maintenant Karasu aussi qui rejoint cette attaque-là. Le match est en train de partir en cacahuète. Là maintenant, Izagi reçoit le ballon de Karasu. Karasu fait une excellente passe à Izagi. Izagi fait une excellente touche. En ce moment, Izagi est en train de contrôler le milieu de terrain là. Une excellente touche à Nagi. Nagi a le ballon. Qu'est-ce que Nagi va faire? Nagi fait une excellente touche. Contrôle petite pichenette. Ah, Izagi Yoshi, quel joueur exceptionnel ce Nagi là. Franchement, les facilités techniques qu'il a, moi, ça me fume. Là, pendant que Izagi est en face du but, il pensait que tout allait être joué. Et non, il y a quelqu'un qui vient l'arrêter. Itoshi Sae vient l'arrêter. Il a dit, waouh, tu sais te servir de ta tête, toi. Mais non, pas pour aujourd'hui. Il vient vers lui, il le bouscule. Un petit match-up, Izagi versus Itoshi Sae. Nous savons déjà qui va gagner ce duel-là. Itoshi Sae fait juste un petit coup d'épaule à notre petit Izagi. Et ça le déstabilise complètement dans son élan. Et Izagi perd complètement le cadre. Izagi, maintenant dans ses derniers retranchements, réussit à faire une passe à Itoshi Rin. Mais Oliver Aiku l'a suivi l'action. Maintenant, la balle a été détournée. Et la balle va à Baru Shoei qui a suivi cette action de près. Et il arrive. Il réussit à faire une boulette. But! But et but de Baru Shoei. Égalisation 3-3. Il enlève le chandail. Il crie suuuuh. C'est sûrement un fan de CR7, ce fou. Donc là, il a enlevé son chandail et il est très content parce qu'il vient d'égaliser 3-3. Le match est chaud bouillant. Petit carton, parce que monsieur, on n'enlève pas le chandail comme ça. Et là, en ce moment, Itoshi Sae a un talent qui dépasse complètement l'entendement selon Izagi. Parce qu'en une petite action, en un petit coup d'épaule, il a anéanti une action de but. Il est exceptionnel. Le moindre effort avec le plus de résultats, c'est la mentalité de Itoshi Sae. Donc en ce moment, Itoshi Sae va voir le coach pour lui demander qu'est-ce qu'il faut faire. Et le gars, il ne sait même pas quoi faire, leur coach de merde là. Là maintenant, les joueurs, ils sont fatigués, mais ils sont déterminés. Itoshi Rin, il se rend compte que le match est en train de tourner autour d'Izagi et que sa place en tant que ace de l'équipe est en train d'être mis en question. Donc là, il commence à être fâché. En plus, il n'a gagné aucun duel contre son frère. C'était ça son objectif, écraser son frère. En ce moment, il se fait surclasser. En plus, il est en train de perdre sa place contre Izagi. La frustration commence à monter en lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc là, on se rend compte que les deux veulent se dévorer. Itoshi Rin et Itoshi Sae. Qui va réussir à dévorer l'autre? Le match est en pleine action. 3-3. Le match va bientôt finir. Il reste 15 minutes. Donc, le match peut recommencer. 3-3. Let's go. Le match recommence et c'est Itoshi Sae qui a la balle entre ses mains. Itoshi Sae versus Izagi. Que va-t-il faire? Bien sûr qu'Izagi va se faire dribbler comme du n'importe quoi. Parce que ce gars en ce moment, c'est un monstre. Techniquement, esthétiquement, il est extrêmement fort. Il réussit à dribbler Izagi avec une facilité déconcertante. Il part. Les gars viennent vers lui. Ils n'arrivent pas à l'arrêter. Il est en train de tous les dribbler. Il dribble 1, 2, 3, 4. Son frère arrive vers lui. Il le saute. Il esquive comme du n'importe quoi. Il est passé. Il est encore passé. Et il essaie de le rattraper son frère. Mais il n'y arrive pas. Il veut le détruire mais il n'y arrive pas. Itoshi Sae est parti. Il est en train de dribbler tout le monde là. Qu'est-ce qui se passe? Lui qui faisait des passes tout à l'heure. Maintenant en train de traverser la défense avec des dribbles habiles, agiles, précis. Waouh! Il est bientôt rendu dans la surface de réparation. Il a dribblé tout le monde du Blue Lock 11. Qu'est-ce qui se passe? Il a encore dribblé Yukumiya avec une élégance exceptionnelle. Waouh! Quel joueur exceptionnel.
Personne ne peut l'arrêter. En plus, maintenant, Chidori Yusei essaie de se démarquer pour recevoir une passe en plus. Comment arrêter ces deux monstres-là? Surtout que Monsieur Itoshi, ça, a décidé de lever le niveau. Donc là, maintenant, Monsieur Itoshi, Rin est en train de rentrer dans une transe. Est en train de se surpasser. Et là, passe ou tire de Itoshi, ça, vers Chidori Yusei qui a sauté. Chidori Yusei a le ballon. Une très belle passe. Va-t-il marquer? Va-t-il marquer le triplé qui va permettre de passer devant? Et non, Rin vient s'interposer devant et écrase, annihile cette action-là. Encore 3-3, le match est serré, mais Rin a pris un sacré coup à la tête. Il n'est pas blessé, ce qui est étonnant quand même, mais le match peut reprendre 3-3. Donc là, en ce moment, on est en train de se demander comment faire pour atteindre le flow state. Bien sûr, on est dans la tête de Izagi, ce gars qui intellectualise beaucoup le foot. Et là, maintenant, on se rend compte que notre petit Rin peut-être est en train de rentrer dans un flow state assez particulier. Donc, retour du match. 11 et 7 ont le ballon et ils font une contre-attaque. Baru les suit de derrière, bien sûr. Et là, maintenant, le jeu commence à s'ouvrir. Les possibilités commencent à se montrer. Bien sûr que le monstre Bashira fait partie de la partie. Nous n'avons pas oublié Bashira. Qu'as-tu dans les jambes? Qu'as-tu à nous offrir? Les deux amis commencent à jouer au football. Les deux vont vers l'attaque. 3-3. Qu'est-ce qui va se passer, les gars? Ils sont en train d'attaquer la défense. Et là, on passe la balle 1-2. 1-2 entre Bashira et Izagi. Il réussit à dépasser tout le monde. Mais n'oublions pas que le King Baru Aroganus est là. Il essaie de prendre encore le ballon. Mais ça ne marche pas. Pendant qu'il essaie de prendre le ballon à Izagi, Izagi fait une petite passe à Bashira. Bashira maintenant qui va nous montrer sa palette technique. Bashira, que va-t-il faire? Bashira, oh mon dieu, il dribble Neru Tepe avec une facilité déconcertante. Il le dribble, il continue son ascension. Il continue encore, il dribble. Encore les défenseurs, deux défenseurs dribblés par Bashira. Quel joueur exceptionnel. Bashira versus Olivier IQ. Olivier IQ qui est le détruiseur de Ace. Il est en face de Bashira. Donc Bashira versus IQ. Bashira réussit à faire un mouvement. Va-t-il tirer? Va-t-il passer? IQ pense qu'il va faire un dribble. Mais non, pas une passe non plus. Mais non, c'est un tir. Un tir frappe. Bashira est en transe en ce moment. Il est en train de rentrer dans le flow. Et maintenant, il a réussi à faire une action de top niveau. Il va marquer. Et non. Sento Shuto réussit à dégager le ballon. Bashira n'a pas marqué, c'est une action individuelle exceptionnelle. Ça aurait pu faire basculer le match, mais non, il n'a pas réussi à marquer. Le ballon va à Olivier IQ. Olivier IQ qui prend le ballon et qui remercie son coéquipier. Il continue à rêver, mais lui, il n'a pas la tête sur terre là. Il rêve à des idoles. Donc les gars sont déterminés. Et maintenant, le Japon U20 est prêt à pouvoir se réorganiser pour aller en contre-attaque. Maintenant, le ballon va à Itoshi Sae, le meneur de jeu ultime. Il a le ballon. Va-t-il tous les dribbler? Va-t-il tous les passer? Son jeu est devenu extrêmement imprévisible. Il court. Et là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Avec ce match, le football va changer à jamais. Le match rentre dans ses derniers moments critiques. Itoshi Sae versus Yukumiya et Karasu. Il est dribble. Non, il fait la passe. Aux deux attaquants qui sont partis, mais ils ont été vus. Ils ont été vus, mais Haru Jube, comparé à l'ailier, qu'est-ce qui va se passer? Il tire, mais c'est Mikage Rea qui a réussi à intercepter le ballon. Le match est chaud en ce moment, les gars, là. C'est trop chaud. Mais le ballon va vers Sendo Shuto qui tire, et le ballon se fait bloquer par Nagi et par Baru Shoe. Les deux se cognent la tête, mais ils réussissent à intercepter le ballon. Et le ballon vient, bien sûr, toujours à Itoshi. Itoshi Sae maintenant va tirer. Est-ce qu'il va réussir à marquer? Et non, Izagi Yoshi a anticipé cette action et il vient pour l'arrêter. Et il a vu l'action. Et là, il fait une passe à Olivier IQ. Et n'oublions pas, Olivier IQ avant, c'était un attaquant. Donc, il est prêt à faire une boulette et à enterrer les rêves du Blue Lock. Il tire. Et non, Rim vient d'intercepter le ballon. Corner. Il reste 5 minutes et le match est à son plus haut comble. Qui va gagner? Donc, en ce moment, c'est un corner. Itoshi Sae s'apprête à tirer le corner. Où va-t-il tirer? Il s'apprête à tirer. Poulette avec son pied gauche. La balle va aller vers où? La balle va vers Chidori Yusei. Et Chidori Yusei est démarqué. Va-t-il marquer le fameux triplé qui va faire gagner le Japon U20? Il est prêt. Et non, Izagi Oishi, intercepté, a lu la trajectoire du jeu avec la vision et il réussit à stopper Chidori Yusei. La balle est encore en jeu. La balle va vers Yoriyo. Dieu merci. Le Blue Lock réussit à s'en sortir et Izagi déjà est de retour à l'attaque. Ils sont partis. Let's go le Blue Lock. Il y reste plus beaucoup de temps. Qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde est déchaîné. Et là maintenant, Itoshi Rin va
réveiller le monstre en lui. La contre-attaque, la dernière contre-attaque, les gars. Il reste une minute de temps additionnel. Qu'est-ce qui va se passer? Yurmayo, il fait une excellente passe à Itoshi Rin. Itoshi est dégoûté. Il est en train de réveiller le monstre en lui. Il est en train de détruire tout ce qu'il savait. Il est en train de se transformer en quelqu'un. En train de devenir lui-même un monstre. Et le monstre est en train d'être réveillé. Il est en train de réveiller le monstre en lui. Donc Itoshi Rin versus Naru TP, il a dribblé avec une accélération. Itoshi Rin versus Daru Miroku, il a dribblé avec une anticipation et une destruction exceptionnelle. Itoshi Rin versus le gars le plus costaud, Kasuma, il a fait un gros physique et il a détruit le gars qui était le plus costaud qu'on connaît en ce moment dans ce match-là. Donc le gars en ce moment, il a changé radicalement son style de jeu. La langue pendue, il détruit ses adversaires par leur force principale. Itoshi Rin est en train de renaître et en train de rentrer dans le flow. Maintenant, Itoshi Rin versus le meilleur défenseur qu'on connaît, Oliver IQ, qui est en train de trembler, qui ne sait pas quoi faire. Il est en train de deviner qu'est-ce qu'il va faire. Une passe, un dribble, les pourcentages se diminuent. Les pourcentages se diminuent. En effet, il a de moins en moins de chances. Il calcule ses pourcentages de chances de gagner et son pourcentage de chances diminue à chaque fois que Rin approche de lui. Mais n'oublions pas que Shido Ryusei vient essayer d'arrêter le numéro 1. Donc le numéro 1 contre le numéro 2, contre le meilleur défenseur qui va gagner ce duel ultime. 50% de chances de gagner. Les chances augmentent vu que Shido Ryusei a rejoint la bataille de la fin du match. Izagi passe dans son dos et qu'est-ce qu'il va faire? L'option Izagi est de retour. Va-t-il l'utiliser? Non, il n'utilise pas. Il veut bien sûr tirer. Il veut tirer. Oliver a écumé son pied. Oh non, fin de corps. Les gars sont partis. Encore une autre fin de corps. Rin est vraiment puissant. Et là, il fait un gros tir. Le tir part vers le gardien. Et non, le tir a touché le poteau. Malgré tous ses efforts, Itoshi Rin n'a pas marqué. Et le ballon va vers qui? Vers Itoshi Sae. Le gars, c'est un aimant ballon. Tous les ballons vont vers lui, en effet. Bref. Il reste une minute de temps additionnel maintenant. Et là, Itoshi Sae à la balle. Shido Ryusei en train de foncer en contre-attaque. Les gars, il reste une minute. Qu'est-ce qui va se passer? Le match, c'est 3-3. Va-t-il finir sur un nul? Ou est-ce que le match va changer bientôt? En ce moment, Raichi, Jingo, le banc, les benchers, ils sont en train de crier. Ils sont en train d'encourager du bloc du mieux qu'il peut. Il faut stopper Itoshi Sae. Il faut stopper le meilleur dribbleur passeur du Japon. Itoshi Sae élimine Izagi avec une facilité déconcertante. Baru aussi se fait éliminer. Nagi aussi se fait éliminer. Karasu se fait éliminer. Il est en train de tuer tout le monde, le gars, en ce moment. Il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter. Maintenant, le duel ultime. Le duel du petit frère. Itoshi Sae, le génie du bloc. Versus le flow state de Rin. Itoshi, qui va l'emporter? Dribble sur dribble. Les gars, qu'est-ce qui va se passer? On parle. Une petite discussion fraternelle. Maintenant, on parle plus. On va dribbler. Itoshi est en train de rentrer de plus en plus dans la zone et s'enfonce plus dans le flow state. Donc, les deux frères, le duel ultime, il reste une minute et les deux frères vont s'affronter. La zone et le charisme et l'élégance ultime, la destruction versus la bonté qui va gagner le match-up ultime. Donc là, Itoshi, ça est à la balle, il essaie de dribbler son frère. Petite action, il réussit, il garde encore le ballon, il réussit à lober son frère. Mais non, Itoshi Rin est encore dans le jeu. Il réussit encore à passer. Oh, un petit Ronaldo Chop. Et non, Itoshi encore là. Oh non, Itoshi encore la balle. Mais qu'est-ce qui se passe là? Encore un petit pont. Que va-t-il faire? Oh non, il n'a pas réussi à le passer. Itoshi Rin a réussi à suivre son frère Itoshi Sae à travers cette montagne de dribble. Et là, le ballon va dans les airs. Le ballon va dans les airs. Oliver IQ n'a même pas pu intercepter ça. Qui est là? Il y a un homme qui s'est faufilé, qui s'est placé derrière tout le monde. Et c'est qui cet homme? C'est Izagi Yoshi qui a la chance pour lui et qui est placé pour faire une reprise de volée. Et il tire et la balle va vers le but. Et but, et but, et but, les gars. Il vient de marquer. Izagi Yoshi vient de marquer à la dernière minute. Oh, le Japon est en feu. Le Japon est en feu. En effet, ce match vient de changer le foot à jamais. Tout le monde crie, tout le monde va vers lui. Et c'est la fin du match. C'est la fin du match. 3-4. Et le Blue Lock Eleven vient de gagner ce match, vient de remporter ce match. Et Gojinpachi sur le banc est choqué. Le Blue Lock vient de le surprendre, vient de dépasser ses attentes. Oh, Izagi est en train de célébrer comme un fou. Il vient d'offrir la victoire finale au projet Blue Lock. 3-4, 3-4, ils sont en train de célébrer comme des fous.
Waouh, les parents d'Isagi Oishi, les parents de Bashira, ils sont fiers de leurs enfants qui ont changé leur destinée avec le football. Quelle célébration, quel homme. Le Japon U20 a perdu. Maintenant, Chidori se vient de demander, mais pourquoi t'as fait ça? T'aurais pu me passer ou t'aurais pu passer la balle à un autre? Pourquoi tu voulais absolument dribbler? Bon, ils se sont battés les couilles aussi un peu là. Il se rend pas, ça ne fait pas plus mal que ça. Et les gars, on se rend compte que Itoshi, ça n'a pas sué du match. Tout le monde a sué sauf lui. Le gars, il était à 5%. On salue maintenant le héros du match. Isagi est en train de saluer Liver IQ. Rin est fâché parce que c'était lui qui voulait avoir ce rôle principal, mais non. C'est pas lui qui l'a eu. Et là, une petite discussion avec son frère. Et maintenant, Itoshi Sae avoue qu'il avait tort. Et que maintenant, il y a un héros, un égoïste qui va changer le Japon, l'attaque du Japon. Et cet égo, cet égoïste, c'est pas toi, Rin. D'après Itoshi Sae. Mais bien sûr, c'est Isagi Yoshi qui est interviewé par le match. Parce que c'est lui qui a fini homme du match, héros du Japon. Isagi Yoshi est en train de donner une interview. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il dit que le Japon va gagner la Coupe du Monde U20. Pas que le Japon va faire gagner, mais que lui va faire gagner le Japon à la Coupe du Monde.